Donc aujourd'hui, une des priorités des politiques publiques en Pays Tolosan est de rendre accessible à tous une alimentation de qualité, produite localement et dans de bonnes conditions, à la fois sociales et écologiques. Pour répondre à cela, donc, les élus du territoire portent un projet alimentaire de territoire qui encourage des projets collectifs autour des enjeux agricoles, alimentaires, sociaux, de santé et d'emploi en Pays Tolosan. À travers l'événement Fête des fourchettes solidaires, nous avons une démonstration de la mise en réseau d'associations et de structures sociales du territoire autour de l'alimentation. Alors à Saint-Sauveur, on est parti du constat que de plus en plus d'administrés avaient besoin d'aide alimentaire. Pour ce faire, on a cherché donc un partenariat. Les Jardins de Cocagne se sont révélés le partenariat idéal qui nous permettait justement de démocratiser la qualité alimentaire. Pour expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça a été initié. Hop. Ça nous permet également de pouvoir créer du lien au travers la fête des fourchettes solidaires. Ou pas, Notre action habituelle, hein, c'est de proposer des postes, des emplois à des demandeurs d'emploi prioritaires à travers le maraîchage biologique et les espaces verts écologiques. Plus particulièrement, notre activité aussi de production de légumes se tourne depuis quelques années sur l'approvisionnement des personnes à faible revenu. Les Jardins du Giroux participent à l'action Fourchette solidaire à travers quatre axes. Un axe production sur notre pôle légumier bio à Villemur pour développer une nouvelle offre de légumes bio, notamment au bénéfice de l'approvisionnement des personnes à faible revenu. Un deuxième axe sur l'animation à travers notre association Cocagne Alimentaire qui vise à proposer des actions de sensibilisation, de formation pour la cuisine simple de produits de qualité. Un troisième axe également logistique puisque notre relais Cocagne qui verra le jour en 2023 sur Gragnac aura vocation à faire le lien entre producteurs et consommateurs et notamment faciliter l'approvisionnement des associations et des acteurs de la distribution alimentaire. Et un quatrième axe concerne un rôle de coordination territoriale. Nous l'exerçons aujourd'hui à travers l'animation du PAT pour le compte du PETR Pays Tolosan. Nous avons notamment travaillé sur le développement de cet axe solidaire, alimentation solidaire, aux côtés d'autres axes que le PETR avait mis en avant. Et donc cet axe coordination fait partie de notre quatrième activité au bénéfice d'une alimentation de qualité pour tous. Participons donc à cet événement, la fourchette solidaire ce samedi. C'est une disco soupe qu'on fait, donc c'est un événement festif sur l'alimentation anti-gaspillage. Tous ces fruits et légumes invendus et rebuts sont récupérés par nos soins pour faire des soupes et des smoothies. Disco soupe, c'est le partage du collectif dans une grande convivialité et sans discrimination.
cocotte met l'humain au cœur du projet. On favorise les ateliers collectifs sans oublier les réseaux partenaires. Dans le cadre de notre objectif, nous donnons aux citoyens la possibilité d'accéder à une alimentation saine et durable et anti-gaspillage. Bonjour et bienvenue au domaine de Mestre-Gouny. C'est un domaine de 5 hectares sur la commune de Roxerrières. On est à la limite de la Haute-Garonne et du Tarn. J'aime bien ce nom parce que ici il fait bon vivre. Et le maître de ce lieu, c'est la nature. C'est d'autant plus important que nous accueillons tout public, mais particulièrement des personnes qui sont en situation de fragilité et de handicap mental. Et que la terre, c'est un merveilleux matériau pour réapprendre à vivre. En la travaillant, elle vous travaille. En la soignant, elle vous soigne. Donc c'est un terrain agricole avec des potagers en permaculture, des vergers, des animaux, un merveilleux parc arboré. C'est aussi un lieu qui s'appelle l'hospitalité de la beauté parce que nous avons des ateliers artistiques et nous pensons que la beauté, elle aussi, elle nous soigne parce qu'elle nous permet de donner ce que nous avons de meilleur de nous-mêmes. D'être créateur, et c'est ce qui nous donne notre dignité. C'est d'autant plus important quand on est fragile, on a parfois le sentiment que tout est limité à notre fragilité. Et en fait, on a tous cette dignité-là et toute cette capacité d'être créateur. Le sous-titre de Domino, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. Cette vie d'œuvre d'art, on la contemple déjà dans la nature et on la contemple dans l'alimentation, puisqu'on a la chance de partir de la graine jusqu'à l'assiette et de créer aussi le repas avec chacun. J'aime bien dire ici, on va de la conservation du légume et du fruit jusqu'à la conservation. Et c'est là où on retrouve ce qui est important dans une vie, c'est cet art de la relation, c'est la relation sociale, c'est la nature qui nous y conduit. Donc, par rapport au Poignet Villemérien, nous nous sommes intéressés au projet porté par le PETR Pays Tolosan, du fait que nous nous sommes rendus compte de la nécessité de pouvoir réutiliser l'ensemble des légumes, qui souvent légumes et produits, qui sont souvent déclassés, non pas de qualité, mais le contexte plutôt d'esthétique. Étant déclassés, ce sont des produits qui ne sont plus consommés par les gens puisqu'ils sont souvent transmis pour être détruits. Donc, dans le cadre du Pays Tolosan, on a très vite commencé à parler de développer des plateformes qui pourraient justement récupérer l'ensemble de ces produits et les remettre à disposition moyennant des prix raisonnables à des associations qui auraient besoin pour pouvoir aider les personnes bénéficiaires de leurs services à consommer des produits de qualité, de proximité, qui soient à des prix attractifs. Voilà.
L'objet de ces plateformes, c'est de pouvoir réinsérer des personnes professionnellement et d'arriver à créer un point qui permettrait de rallier l'ensemble de ces produits et les remettre à disposition, comme j'ai dit. L'intérêt, c'est de pouvoir réduire aussi les transports, de pouvoir éviter que chacun fasse son transport et doive s'équiper de matériel, puisque on pourrait mutualiser l'ensemble de ces compétences et de ces outils à travers une plateforme qui serait pour l'ensemble des associations et des partenaires sur le pays toulousain.